Thank you.
Thank you.
Thank you.
On demanderait aux Philistins et Philistins, s'il vous plaît, de prendre place. Merci. Merci pour
Déjà un texte, mais j'en ai ramené un deuxième. Donc, on fera la cérémonie deux fois. Bienvenue, chers parents, amis, invités à la remise de diplômes et au gala de fin d'année 2022 de l'école secondaire La Source. Pour tes footages personnels, ça. Vas-y, Chantal. Oui, donc je vous invite à mettre vos téléphones cellulaires en mode silencieux afin de ne pas déranger le déroulement de la cérémonie. Tout de suite, silencieux. De plus, il y aura deux photographes pendant la cérémonie, deux photographes professionnels qui feront le travail pour les parents, donc Jessie Poulain et Marie-Andrée Macamou, excusez-moi, de la Chef à Images, qui sont présentes pour immortaliser la journée de ces beaux jeunes. Les photos seront disponibles au courant de la semaine prochaine sur la page Facebook de l'école. Donc, merci de votre collaboration. Merci. Donc, en résumé, ce que Chantal vient de dire, c'est parents, jeunesse, vous pouvez lâcher vos Kodak, téléphone, tablette, padjet, et vivre pleinement cette belle cérémonie. Surtout ceux qui essayent de prendre des photos avec des padgets. Là, c'est... S'il y en a qui le font, la psychoéducatrice est là-bas, dans le fond. Donc, je me présente Pascal Binette, habituellement enseignant en art dramatique, mais exceptionnellement en 2022, pour cause de COVID, enseignant de vraies matières. Donc, l'histoire, géographie et monde contemporain, merci. Et comme vous avez pu le constater, je suis divinement bien accompagné pour cette animation par une enseignante beaucoup plus crédible que moi, puisqu'elle enseigne les mathématiques. Oh oui! Et que les jeunes l'adorent. Et j'ai nommé Mme Chantal Paradis! Donc, bonjour à vous, survivants et survivantes de l'école à distance. Ça fait vraiment drôle de vous voir aujourd'hui, tout arrangé, tout beau, belle et surtout en présentiel. Ouais, dans notre tête, vous êtes comme juste des pastilles de caméra fermées avec des initiales dessus, là, de 18 sur 32 habituellement en moyenne. Il y a quand même du bon dans la technologie, Pascal, comme le fait que cette belle cérémonie soit actuellement diffusée sur le web en direct. Oui. Comme ça, vos grands-mères de Sorel, ou votre grand-mère plutôt, on n'en a pas deux à Sorel, votre cousine allemande ou votre parrain d'Amos peuvent vous voir sur votre 36 et surtout être fiers ou jaloux de votre réussite. Exact. Comment est-ce qu'on fonctionne? Vous pouvez aller sur notre page. Donc, je vais vous laisser 5 minutes pour sortir votre téléphone pour ça. Allez chercher le lien et l'envoyer à ma tante en Thaïlande en vacances. Là. Je voulais juste dire aussi, s'il y en a qui connaissent des gens qui habitent Saint-Paulin, en Mauricie, il n'y a pas d'Internet là-bas. Donc, ils ne pourront pas suivre la cérémonie. Merci, Pascal, pour ce pertinent commentaire. Arrête. Une autre caractéristique de cette année particulière, les 12 jours de transport annulés. Hein? Ouais, comment ça qu'il y a eu de l'école aujourd'hui? Pourtant, j'ai vu un nuage. Le vent est de l'est. Les oiseaux volent bas. Les poules sont jouquées. Santé aujourd'hui. Et finalement, on ne sait pas trop c'est quoi les critères cette année pour avoir du transport scolaire. Il n'y a pas trop personne qui a compris. Mais ce qu'on sait, c'est que les jeunes ont tellement manqué d'école qu'à la fin, ils étaient comme « Ah, il y a de l'école aujourd'hui! » Donc, tellement qu'ils ont eu des congés. Ils s'ennuyaient de leurs amis. Hein? Oui, ils ne s'ennuyaient pas des profs certains. Sans cœur. Malgré tout, aujourd'hui, vous graduez. Puis, c'est souvent bien stressant la journée de gradu.
les cheveux, les vêtements, les parents qui braillent, les photos au parc botanique, les ongles cassés dernière minute. La peur de pogner à COVID une journée avant pour pouvoir y aller. Le cavalier ou la cavalière qui fait « Ah non, je change d'idée ». La soirée qui sera peut-être de plus en plus floute pour certains et certaines, plus on se dirigera vers le petit matin. Okay. Ça, c'est non, pas ça. Si ça vous arrive de stresser, rappelez-vous les sages paroles de Martin Gelette. Pensez vecteur. Chantal avec calé, vous le diriez en même temps. Non, mais plus sérieusement, on est vraiment impressionnés de voir certains d'entre vous graduer aujourd'hui. Sincèrement. Ouais, disons juste qu'il y en a quelques-uns qui sont pour parler en métaphore. Disons que c'est pas... Les crayons les plus aiguisés de la boîte. Les pogos les plus dégelés de la boîte. Les pingouins qui glissent le plus loin sur la glace. C'est pas eux qui ont les lumières qu'on met dans les péteux des lucioles. C'est moi qui l'ai écrit, celle-là. C'est moi qui l'ai dit. Ouais. Disons que la NASA ne viendra pas nous les voler. Puis disons qu'il y en a quelques... Ben, en résumé, il y en a quelques-uns qui sont bien niaiseux. Et oui, le choix du masculin est voulu. Quelques preuves accablantes. Les bombes puantes lancées dans l'école. Des portes de salle de bain arrachées. L'épreuve du lancer du homard dans l'escalier. Dans l'escalier. Suivi du très près par celle du poisson vissé dans le mur. Il y a même un jeune qui a passé proche de se noyer dans un neige folle en faisant de la raquette. Oh. Je pense que Darwin... Je pense vraiment que Darwin aurait une opinion sur ce gars-là. Quand tu réussis à te noyer en faisant de la raquette, ça de même. Mais on peut aussi dire que votre passage au secondaire aurait été une succession de voyages annulés, de tournois cancellés, de parties non organisées, de fluides non échangés. Quoi? On parle évidemment de barbe ici, parce qu'il n'y avait pas le droit d'échanger des affaires dans leur boîte à lunch. Vous autres, vous pensiez à quoi? Les bouteilles d'eau étaient bien fines. Malgré tout ça, nos jeunes ont su s'adapter et persévérer. Ils ont été disciplinés, engagés et créatifs, croyez-le. Plusieurs se sont impliqués dans la brigade d'implication communautaire, à la ressourcerie, au foyer des personnes âgées, dans la marche de l'espoir, le refuge des animaux qui était très populaire, le garde-manger et évidemment dans l'organisation de la belle graduation que vous avez la chance de vivre aujourd'hui. Oui, on va applaudir la gang de la belle. Là, ceux qui ont organisé la gradue, vous avez déjà besoin un peu de papier pour faire ça. Alors, la gang de la gradue. Bravo! Exact. On enchaîne le protocole. Il nous fait donc grandement plaisir d'être les animateurs et animatrices de cette extraordinaire cérémonie, remplie d'émotions merveilleuses, tantôt grandioses, tantôt délicieusement authentiques. Un événement unique qui demeurera marqué dans les souvenirs de votre enfant pour le reste de sa vie. Sauf elle qui parle en même temps que moi. Mais quelle magnifique compensation. Ben oui. Non, OK. Première avertissement, non, c'est pas vrai. Les belles personnes, les parfums, la voix d'un inconnu, l'accolade d'une amie ou d'un ami, la caresse d'un amour, une dernière étreinte, les rires. Beaucoup de rires qui s'attendent, les saluts, les au revoir, les promesses, les adieux. Certains de ces souvenirs resteront, d'autres disparaîtront, d'autres viendront. Ces beaux souvenirs, demain, seront ceux de votre enfant. Aujourd'hui, cette journée est la sienne. Elle lui appartient complètement. J'en reviens juste pas encore qu'on ait réussi à amener cette batch-là jusqu'à la gradue. Malgré 3 mois coupés d'école en 2020, l'isolement, l'école à distance, les groupes bulles, les flèches, les masques, les tonnes de gel désinfectant,
la cafétéria fermée, la pénurie de personnel, le départ de Marie-Pierre Lantier. Écoute, c'était la plus belle fille de l'école. Et finalement, le pire de tout, la moustache de Movember à Mathieu. Ah non, j'en frissonne la nuit parfois encore. Nos jeunes sont tout de même parvenus à se rendre jusqu'au bout de leur secondaire. Bravo, jeunesse! Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement les finissants et finissantes de l'école secondaire La Source! Là, vous avez le droit de faire ça, les jeunes. Et moi, ça, je suis une graduée. Bravo. Maintenant que vous êtes bien avec nous et que vous avez eu le temps de nous faire des coucous, genre chère finissante, j'invite immédiatement deux de nos extraordinaires finissantes à venir vous adresser quelques mots. Accueillons chaleureusement Magali Lafontaine et Brittany Audette. Oui, oui, on vous laisse la place. Non. Chers finissants, finissantes, nous voilà enfin à l'endroit que l'on rêve depuis des mois, le moment qu'on prépare depuis des jours et qu'on attend depuis 5 ans. C'est incroyable de penser. Oh! Benoît! Allô? Allô? OK, lui, il marche. On en prend juste un. OK, bientôt, il ne marchait pas. OK, bon, c'est incroyable de penser que nous sommes tous réunis ici, ensemble, avec nos êtres les plus proches. Les filles sont préparées depuis ce moment, depuis des mois, et les gars, eux, ben, viennent juste de s'en souvenir. Nous avons su faire preuve d'adaptation plusieurs fois, lorsque Team Buguet et que les cours en ligne devenaient infernaux. Nous avons su endurer les 30 mêmes personnes jour après jour pendant un an. Et plusieurs ont dû bien organiser leur soirée en alternant leur rapport de chimie et de physique. Grâce à nos cours de piscine, si un jour nous tombons malheureusement à l'eau, nous allons être capables de survivre un minimum de 5 minutes en faisant la nage sur place et ce, sans couler. On peut dire que nous sommes maintenant prêts à plonger dans le monde des adultes. Monter les 3 étages avec notre masque, chaque matin, nous aurons gardé en forme durant toute l'année. Et ce, sans compter le bip-bip qui, 3 fois par année, crée une chorale de tout dans toutes les classes de l'école. Pour sa part, la qualité du sommeil des étudiants ressemble étrangement à une fonction exponentielle. Style Y est égal à 10 fois 0,79 à la X. Ça, après 10 mois, ça doit environ donner 9,5%. Pendant ces 5 dernières années, un cycle de 9 jours a su guider notre quotidien. Je m'en souviens par cœur de mon horaire. Jour 1, maths, chimie, français, hors drame. Jour 2, anglais, info, hors plate, monde. Jour 3, espagnol, ECR, physique, éduc. Jour 4, OK, je pense qu'on a compris. Bon, tout ce que je veux dire, c'est que ces 5 dernières années ont été parsemées de moments inoubliables et qui nous auront changé à jamais. La fin du secondaire est la fin d'une grosse étape, mais le début de quelque chose d'encore plus gros. Nous rentrons maintenant dans un monde complètement inconnu, mais ma foi, merveilleux. Nous voulons souhaiter une magnifique remise du diplôme à la meilleure des cohortes. Bravo, bravo. Je veux juste parler à mon ex. Là, même si tu amènes le bébé pour broyer partout où j'anime, je t'en paierai pas de pension. Merci. Et
Et maintenant, messieurs, dames, accueillez votre directrice. Il me laisse avec les jeunes, hein? Accueillez maintenant votre directrice, celle qui a tout fait en son pouvoir afin que vous puissiez vivre un secondaire le plus normal possible. Ma patronne préférée, Madame Sylvie Rivet. Un, deux. Alors, Monsieur Yves Bédard, directeur général au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda, Madame Kathleen Slobodian, directrice au service des affaires étudiantes et des communications du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Monsieur Réal Beauchamp, conseiller municipal de notre district, distingués invités, chers parents, chers élèves, en ce jour heureux, j'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Mon premier sentiment en vous adressant la parole est un sentiment d'accomplissement. Mes élèves de 5e secondaire, vous me faites craquer pour toutes sortes de raisons. Quand même. Même après 12 ans comme directrice dans une école secondaire, chaque fois je suis fébrile et du coup, je me sens tellement privilégiée d'être ici et de pouvoir vous exprimer toute mon admiration. Nous voilà tous réunis pour célébrer votre réussite et pour souligner cette importante étape dans votre jeune vie. Un jour de grande fierté qui restera à jamais gravé dans votre mémoire. Moi, Sylvie Rivet, directrice d'une école aux mille couleurs, où j'ai le bonheur d'être partie prenante de votre croissance scolaire, centimètre après centimètre. En plus, parmi cette belle gang d'ados, il y a quelques élèves provenant des vins. Bien oui, c'est connu, j'ai un petit faible pour vous. J'ai... Moi aussi, je vous aime. J'ai œuvré aux écoles des vins comme enseignante, comme parent, comme directrice adjointe et aussi comme directrice. Mon début de carrière en éducation a pris naissance à Évin, ce qui explique mon attachement. On peut sortir la fille des vins, mais on ne peut pas sortir Évin de la fille. Le temps passe vite. Aujourd'hui, ils sont plus grands que moi. Je vous ai donné la main, et ça, je m'en souviens, jeune des vins, au mois de juin 2010 pour votre rentrée au préscolaire. Donc, c'est ce que j'appelle vraiment fermer la boucle. Aujourd'hui, je vais vous donner la main pour votre sortie du secondaire. Donc, vous me faites vivre des moments qui me laissent sans mots. Aujourd'hui, nous sommes ici pour souligner la fin de votre parcours scolaire au secondaire par la remise d'un diplôme symbolique. Je tiens aussi à souligner les efforts de quelques élèves qui sont présents aujourd'hui, qui n'ont pas encore atteint le fil d'arrivée. Une course... J'ai comme une petite émotion, hein? Ben oui, il faut la vivre, hein? Une course, ça ne se finit pas toujours en même temps. Le départ, oui, mais pas l'arrivée. Je dis bien non pas encore atteint, j'ai confiance en vous et votre parcours est juste étiré dans le temps. Enfin, nous y voilà à cet événement tant attendu par nos finissantes et finissants. Pour certains d'entre eux, le décompte a commencé dès septembre 2021. Ça, c'est surtout les filles. Les garçons, c'est un peu plus tard. Hier ou ce matin. Depuis 12 ans déjà, j'ai le privilège de vivre et d'être témoin de grandes réalisations, de réussites éducatives, de réussites humaines et aussi quelquefois, je dois vous l'avouer, de crises d'hormones. Comme parents, parfois, vous êtes témoin de ces crises de deux adolescents. Imaginez 1963.
Les finissantes et les finissants commencent l'année avec une intention différente et un regard pétillant. Ils veulent faire de cette dernière année une année ponctuée de moments marquants pour eux et parfois inoubliables pour nous. Or, un poisson dans les toilettes et j'en passe. Vous savez, vous pensez de faire des crimes parfaits, les jeunes, hein, mais on sait tout. La vie au secondaire est un passage remarquable où amitié, amour, réussite et niaiserie se sont accumulées et ont permis de forger leur personnalité. Leur parcours au secondaire est parsemé de premières fois. Premier party sans adulte, premier voyage étudiant sans parents, première fois qu'ils s'absentent d'un cours sans raison valable, première manifestation, premier baiser, vous savez de quoi je parle, pour la première manifestation, bien sûr. Premier baiser, premier amour, première peine d'amour, et j'en passe. C'est pourquoi ce passage devient si important et formateur. Une tranche de vie marquée de grands changements qui teintera leur avenir. Les 126 diplômés d'aujourd'hui méritent d'être applaudis et reconnus comme des vedettes. Depuis l'âge de 5 ans qu'ils fournissent des efforts, jour après jour, pour obtenir leur qualification. 12 ans d'efforts. Quelle persévérance! Vous êtes mes coups de cœur. J'aime penser aussi que notre école a été un environnement idéal, propice pour réaliser votre parcours scolaire, vos projets, vos réussites et créer des amitiés pour la vie. Chaque année, un moment fort vient marquer ou laisser une trace à tout jamais dans nos cœurs et dans nos têtes. Que dire de l'année 2021-2022? Il m'est impossible de ne pas faire un clin d'œil à l'an 2 de la pandémie. J'ai envie de prendre le temps de vous rendre hommage à vous, chers élèves, qui m'avez démontré votre grandeur d'âme inestimable, tellement vous avez su faire face à cette situation particulière encore une fois. Je profite de ma tribune pour vous dire que je suis fière de vous, et je reconnais votre grande capacité d'adaptation à cette deuxième année pandémique qui vous a demandé le double, le triple d'efforts. Vous êtes plus grand que nous. Vous avez développé une conscience sociale, faire attention à l'autre, qui vous servira toute votre vie. Pour moi, la pandémie aura formé une génération hors du commun. Vous n'êtes pas des ados comme tous les autres. Vous avez ce petit quelque chose de plus qui s'appelle la résilience. Vous avez su vivre les événements avec une maturité déconcertante, surprenante avec une force sans limite. Vous avez su vivre les événements de cette année avec un sourire derrière votre masque jusqu'à la mi-mai. Quelle sensation de voir que vous aviez des dents. Vos petits sourires en coin qui permettent de développer une complicité. C'est fou comme ça m'a manqué. Merci aussi aux parents qui nous ont fait confiance dans un contexte particulier, presque inconnu pour nous. Vous nous avez suivis et vous avez fait preuve d'une grande compréhension. Encore merci aux parents. Évidemment, je ne peux passer sous silence tous ceux et celles qui ont joué un rôle important au cours de votre cheminement scolaire. Comme directrice de l'École La Source, principale témoin de votre parcours académique, des remerciements sont de mise. Merci aux enseignants. Je sais qu'il y en a derrière aussi, inestimable. Vous êtes la base de l'école, pas d'enseignants, pas d'école. Merci aux intervenants et aux professionnels sur qui nous pouvons toujours compter. Merci au personnel de soutien hors pair. Merci au directeur général pour son écoute et son support essentiel. Merci à l'équipe de gestion, Cindy, Marie-Pierre, Mathieu, qui est de ce côté-ci, pour les 1000 solutions, pour m'avoir accompagné sans limite au cours de cette année et de m'avoir accordé encore une fois votre confiance. Merci. Merci à tous les parents pour votre appui inconditionnel. À tous ces acteurs, oui, vous m'avez là, vous m'avez... Non? Oui, c'est correct? À tous ces acteurs de réussite, je dis 1000 merci. Sans vous, ma vie au secondaire serait en noir et blanc. Ainsi, c'est avec une grande fierté et beaucoup d'émotion que dans quelques minutes, je remettrai le diplôme qui marque la fin d'un passage nécessaire
qui conduira les adolescents et adolescentes vers la vie adulte, espérons-le. Parlant de conduite, je ne vous apprends rien si je vous dis que le permis de conduire, et c'est vraiment important, cinquième secondaire, est une liberté ultime. Mais ça peut se perdre, un permis de conduire. Rappelez-vous de ça. Tandis qu'un diplôme, c'est aussi, à mon avis, une liberté ultime. C'est un permis qui permet d'accéder à plusieurs chemins. Cependant, personne ne peut vous l'enlever, le retirer. Il vous appartient pour la vie. Je vous dis bravo et je vous félicite pour tous vos efforts de votre persévérance. Sachez que c'est dans votre jeunesse que je puise ma force et mon courage. Et il n'y a pas très longtemps, parce que je suis... Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des formations pour une retraite, parce que moi, c'est vers la retraite que je m'en vais, pas maintenant, mais bientôt. On m'a demandé, qu'est-ce qui te garde au travail, Sylvie? Spontanément, j'ai répondu, mes ados. Ils me gardent jeune, ils sont les gardiens de ma modernité. Vous êtes au centre de tout ce que je fais. C'est avec une infinie confiance que je vous laisse partir vers d'autres lieux. Quand je vous regarde avec mes yeux du cœur, je peux dire haut et fort, mission accomplie. Vous êtes tous de beaux jeunes adultes prêts à laisser votre marque dans la société de demain. Merci d'avoir fait partie de mon cheminement gestionnaire. Je suis vraiment fière de vous tous. Je ne peux terminer mon discours sans faire quelques autres remerciements. Merci à tous les membres du comité organisateur. Vos idées, votre temps, votre énergie et votre engagement sont porteurs de la réussite de l'événement d'aujourd'hui. Merci aux membres du comité de remise de diplômes qui, avec l'audace et leur courage, ont toujours maintenu le cap afin d'atteindre l'objectif ultime, soit d'avoir une journée mémorable, autant pour les yeux que pour le cœur. Un merci spécial à tous les membres du personnel bénévole qui sont présents aujourd'hui et qui permettent le bon déroulement de cette magnifique journée. Derrière chaque moment, il y a des êtres essentiels. Merci encore. Un merci particulier à Sophie Bourdon et Caroline Boucher qui, encore une fois, ont mis les lèvres au centre de notre organisation. Sur ce, chers diplômés, je vous laisse une pensée inspirante. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Faites de bons choix et soyez heureux. Check, check, one, two, yeah! Chiquili Benoît. Un, deux, c'est bon. Peu. Merci Donc, Benoît. Merci beaucoup Sylvie pour ces beaux mots. Nous allons passer maintenant à la partie protocolaire, la partie que vous attendiez depuis le tout début. Celui où je donne les consignes du déroulement de la cérémonie. Donc, les finissants et finissantes montent sur scène à tour de rôle en ordre alphabétique par nom de famille. Bon. Côté cours, prennent leur attestation de passe. Là, je ne ferai pas ça. Je l'ai mimé, mais non. Oui, ça aurait été bien. Excusez. Mais... Donc, prennent leur attestation de passage à l'école La Source. Ils seront accompagnés par Mme Marie-Pierre Lantier. Ensuite... prise de photo officielle, les yeux ouverts si possible, en compagnie de Mme Rivet, et sortent de scène du côté jardin. Après quoi, ils doivent se rendre à la salle Palco, Mathieu, pour aller prendre une photo individuelle. Et pendant ce temps, un autre élève sera appelé à monter sur scène en prenant exactement le même parcours. Donc, si je comprends bien, Chantal, les finissants montent sur scène en ordre alphabétique, de nom de famille, par le côté court, votre gauche, ma droite, et prennent leur attestation. Une photo avec Sylvie, si possible, les yeux ouverts. Je les revirai. Donc, votre droite, ma gauche, et ensuite, sans... hey, hein? J'explique bien. Et là, vous en allez ici, puis quand vous voyez Mathieu, vous tournez par là, vous allez prendre une photo individuelle. Ça va? Question? Oui.
Habituellement, il y a un... C'est le but de Marie-Pierre. À Iberville, on avait un beau Martin Jolette qui aidait dans les marches ou un laurier, mais ici, ça va être Marie-Pierre. Oui, oui. Chanceuse. Puis Mathieu, alors, vous aide à descendre. Ça marche, attends un peu. Comment c'est ça, bon? J'ai deux fois la même page. Alors, donc, maintenant que tu as tout bien répété mes consignes, oui. Je vous dis merci d'être mon écho, M. Pascal. J'espère que vous avez tout compris avec ces deux explications. En même temps, moi, j'enseignais à ce grade-là, puis dire deux fois, c'est pas trop. Est-ce que vous pouvez me dire que tout est clair maintenant? Oui! Donc, c'est clair comme la grosse Bertha? C'est bon? Donc, on est prêt à débuter la cérémonie. C'est je ne sais pas c'est quoi, j'ai une 4-16, moi. Ah, ouais. Oui, il y a une question ici. Non, vous non, le gardez, ça s'appelle un mortier. Regarde. Chantal fait dire, moi j'ai du vocabulaire, toi non. Okay, là. Merci Chantal. Merci, c'est au tour de Mylène. Alors, félicitations encore une fois à toutes. Et à tous, moi j'étais ici, là. On est rendu où? On est rendu à Mylène. Ah, j'invite évidemment notre belle Mylène à venir nous dire quelques mots. Où est-elle? Oui? Ben, il fallait le faire avant, Benoît. Qu'est-ce qu'il y avait, Benoît? Il a besoin d'aller aux toilettes. Pelletier. Attends, s'il vous plaît, ceux qui trouvent l'intervention de Benoît non pertinente, lèvent la main. Excellent. Il y a un parent, puis c'est parce qu'il n'y a pas de bras qui trouvait que c'était pertinent. Tu laveras tes mains. Mylène, reste là. Est-ce que Mylène... Ah, Mylène, elle parle de là. Alors, Mylène, je vous cède la parole, madame. Un, deux, ah. Pour une dernière fois officiellement, votre attention, s'il vous plaît. Arrêtez, je ne veux pas pleurer tout de suite. Bon. Oh. Non, arrêtez! OK. Mohamed Haïdara. En science de la nature. Émy-Rose Allaire. Émy-Rose poursuit ses études en sciences humaines, profil général, dans le but de compléter ses études en droit. Mathis Arsenault. Mathis quitte la région pour le cégep de Shawinigan afin d'étudier en sciences humaines, profil sport-études, football. Mia Rose Aubé.
Mia Rose est admise au cégep de Saint-Félicien en technique de santé animale. Léa Aubin. Léa se dirige vers le cégep de Sainte-Foy afin de compléter son DEC en sciences humaines. Brittany Odette. Le cégep de l'Outaouais accueillera Brittany en soins préhospitaliers d'urgence. Clara Barry. Clara poursuit son cheminement en tremplin DEC afin d'intégrer la technique de soins préhospitaliers d'urgence au cégep de Sainte-Foy. Arnaud Beaulé. Arnaud est admis en sciences de la nature et poursuivra ses apprentissages en médecine. Zachary Beaupré. Zachary poursuivra son cheminement en tremplin DEC dans le but de compléter sa technique policière. Vincent Bédard. Vincent intégrera la nouvelle cohorte en technique d'éducation spécialisée. Elliot Bégin. Elliot est admis au Centre de formation professionnelle Aricana en protection et exploitation de territoires fauniques. Hakim Bellem. Kim complétera son DEC en technique de comptabilité et de gestion. Anne-Frédérique Belzile. Anne-Frédéric poursuit ses études en sciences humaines, profil général. Mia Bergeron. Mia continue son parcours en technique de travail social.
William Bergeron. William est accepté au Centre de formation professionnelle de Val-d'Or en extraction de minerais. Marissa Bérubé. Marissa se dirige en arts, lettres et communications, option langue. Eugénie Bilodeau. Eugénie s'envolera vers Londres ainsi que Barcelone afin de vivre un séjour linguistique avec l'organisme EF. Cassia Bose. Cassia complétera son DEC en technique de comptabilité et de gestion. Emma Bouchard. Emma vivra une expérience d'échange étudiant en Italie avec l'organisme AFS. Océane Boudreau. Océane est acceptée au Cégep de Shawinigan en sciences de la nature dans le but de poursuivre ses études en médecine. Christina Boulanger-Godbout. Christina continue son parcours en charpenterie-menuiserie. Nous invitons Christina à rester sur scène et nous prions Mme Cindy Roy de se joindre à elle afin de remettre une bourse couvrant les frais d'inscription à son futur programme au Centre Polymétier. Eliott Boulian. Eliott poursuit sa route en tremplin DEC dans le but d'intégrer la cohorte en technologie de l'architecture. William Doutin.
William complétera son deck en art visuel. Daphné Brasseur. Daphné est admise au Cégep de Lévis en sciences humaines afin de poursuivre ses études en droit. Marc-Antoine Brisson-Toulouse. Marc-Antoine complétera son DEP en charpenterie-menuiserie. Alec Bruno. Alec complétera son deck en technique policière. Clara Buteau-Perron. Clara poursuit son cheminement en sciences de la nature. Livia Campagna. Livia nous quitte pour le Collège Boréal à Sudbury afin de compléter la technique de soins vétérinaires. Maëlie Chartier. Maëlie est admise en technique d'intervention en délinquance au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, campus d'Amos. Océane Chassé. Océane est acceptée en sciences humaines, profil général, afin de compléter ses études en psychologie. Laurie Clément. Laurie complétera ses études en sciences humaines, profil général, pour ensuite se diriger en droit. Rosalie Cloutier. Rosalie est acceptée au Cégep de Sainte-Foy en sciences humaines, parcours intervention sociale dans le but de poursuivre en sexologie.
Léana Coulombe. Léana complétera son DEC en soins infirmiers. Antoine Do. Antoine va intégrer le marché du travail. Jeanne Delorme. Jeanne continue son parcours en sciences de la nature. Pénélope Depont. Pénélope désire compléter un double DEC en sciences humaines ainsi qu'arts, lettres et communications. Raphaël Depont. Raphaël poursuit son cheminement en sciences de la nature. Jérémy Désaulnier. Jérémy nous quitte pour le centre de formation en montage de ligne de Saint-Henri à Lévis afin de compléter sa formation montage de ligne électrique et de télécommunication. Jérôme Dehaye. Jérôme complétera sa formation en sciences humaines, profil général. Laurie Doré Cloutier. Laurie est admise en sciences humaines, profil général, afin de poursuivre ses études en enseignement. Nous demandons à Laurie de bien vouloir rester sur scène quelques instants. Nous invitons M. Yves Bédard, directeur général du Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda, à venir la rejoindre afin de remettre une bourse au nom de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Cette bourse est d'une valeur de 1 000 en frais d'admission à l'UQAT. Mathilde Dubuc. Mathilde ira faire ses études en danse au Cégep Saint-Laurent à Montréal.
Alexandre Fortin. Alexandre se dirigera en technique de génie aérospatial à l'École nationale d'aérotechnique de Saint-Hubert dans le but de poursuivre en génie aérospatial. Cécilia Pradette Picard. Cécilia poursuivra ses études en soins infirmiers. Justine Fradette Picard. Justine est admise en technique de travail social. Élie Gagnon. Élie est acceptée en sciences humaines profil général. Ajali Gagnon. Ajali complétera sa technique de comptabilité et de gestion dans le but de poursuivre en administration des affaires. Daphné Garneau. Daphné nous quitte pour le Collège AUNSIC à Montréal afin de compléter son DEC en technologie de radio-oncologie. Mathis Godette. Mathis nous quitte pour le centre de formation en montage de lignes à Saint-Henri, à Lévis, afin de compléter sa formation montage de lignes électriques et de télécommunications. Samuel Gaumont. Samuel est accepté en technologie de maintenance industrielle. Marika Giasson. Maïka poursuivra ses études en technologie de l'architecture au Collège Montmorency de Laval. Danica Gilbert.
Monica souhaite compléter un diplôme d'études professionnelles. Laurence Gingras. Laurence est admise en sciences de la nature dans le but de poursuivre en médecine vétérinaire. Annabelle Girard. Annabelle vivra une expérience d'échange étudiant aux États-Unis avec l'organisme AFS. Rosalie Giroux. Rosalie est admise en sciences humaines, profil général. Antonin Grenier. Antonin complétera son DEP en charpenterie-menuiserie. Mathis Grenier. Mathis est inscrit en technologie du génie électrique. Milan Hamel. Milan poursuivra ses études en sciences humaines, profil général. Nora Hamilton. Nora nous quitte pour vivre une expérience d'échange étudiant en Italie avec l'organisme AFS. Mathis Hébert. Mathis complétera son DEC en sciences de la nature. Naomi Henley. Naomi est inscrite au Cégep en sciences humaines, profil général. Benoît Janvier. Thank you.
Benoît est accepté en technique de comptabilité et de gestion. Audrey Jason. Audrey continuera son parcours en formation générale des adultes dans le but de poursuivre en sciences de la nature. Milan Kirby. Milan a la chance de vivre une expérience d'échange étudiant en Suède avec l'organisme AFS. Mégane Labrec-Morissette. Mégane va intégrer le marché du travail. Audrey-Anne Lacerte. Audrey-Anne est inscrite en soins infirmiers. Léane Lacroix. Léane est acceptée en technique d'éducation à l'enfance. Maxime Lafont-Bellan. Maxime poursuivra en technologie du génie électrique dans le but de compléter sa formation en génie électrique. Carl Lafontaine. Carl complétera son DEC en arts, lettres et communication option cinéma afin de poursuivre en communication. Magali Lafontaine. Magali est admise en technique de travail social. Nous invitons Magali à rester sur scène. Nous invitons également M. Réal Beauchamp, conseiller municipal du district Noranda, à venir remettre une bourse au nom de la ville de Rouyn-Noranda, afin de souligner son implication dans le comité des finissants ainsi que dans la brigade d'implication communautaire depuis son deuxième secondaire. Philippe Laliberté. Philippe se dirige en gestion d'un établissement de restauration au cégep de Saint-Jérôme. Émile Larose-Gervais.
Émile poursuit. Émile poursuit ses études en technique de l'informatique. Samuel Larouche. Samuel est inscrit en technologie de maintenance industrielle. Naïla Leriche. Naïla complétera un double DEC en sciences humaines et en arts visuels dans le but de poursuivre en droit. Camille Leblond. Camille nous quitte pour le collège Lionel Gros à Sainte-Thérèse afin d'étudier en arts, lettres et communication option théâtre. Ève-Marie Lefebvre. Ève-Marie est admise en sciences de la nature afin de poursuivre ses études en optométrie. Florence Lemire. Florence poursuivra ses études en soins infirmiers. Merci à Florence de demeurer sur scène et nous invitons M. Yves Bédard, directeur général du Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda, à venir remettre une bourse au nom de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Danick Lessard. Danick se dirigera en arts visuels. Yann-Olivier Loiseau-Gousse. Yann-Olivier complétera son DEC en arts, lettres et communication, option cinéma. Ludovic Lozier. Ludovic se dirige en soins préhospitaliers d'urgence au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue au campus de Val-d'Or. Audrey Mia Mador.
Audrey Mia est admise en sciences humaines, profil général. Médéric Major. Médéric est inscrit en technologie du génie civil. Maïka Méran-Leclerc. Maïka nous quitte pour le cégep de Sainte-Foy afin de compléter son deck en histoire et civilisation. Ryan Messaoudi Perron. Ryan est admis en sciences humaines, profil général, afin de poursuivre ses études en droit. Erika Michaud. Erika se dirige en sciences humaines, profil général, ayant pour objectif de compléter ses études en sexologie. Alexandre Morin. Alexandre est admis en technologie du génie civil. Anthony Morin. Anthony complétera son deck en sciences de la nature. Samuel Morissette. Samuel poursuivra ses études au Centre Élisabeth Bruyère. Jade Morissette Beaulieu. Jade poursuivra ses études en arts, lettres et communication, option langue. Maxime Murray. Maxime se dirige en technologie du génie électrique. Jérémy Nadeau. Jérémy complétera son deck en arts visuels.
Karianne Nau-Brunet. Karianne est acceptée en sciences humaines, profil général. Conchuan Nguyen. Conchuan se dirige en sciences de la nature afin de poursuivre ses études en médecine. Con Lang Nguyen. Conlang est admis en sciences de la nature dans le but de poursuivre ses études en médecine. Samuel Noël. Samuel nous quitte pour le Collège La Cité à Ottawa afin de compléter son DEC en arts numériques. Alex Nolan. Alex est accepté en arts, lettres et communications, option langue. Antoine Park. Antoine complétera son DEC en sciences humaines, profil général. Alexandre Parker. Alexandre est admise en technologie de radio-oncologie au Collège ANSIC de Montréal. Benoît Pelletier. Benoît complétera son DEP en charpenterie-menuiserie. Justine Pelletier. Justine poursuit ses études en technique d'éducation à l'enfance. Charles Perrault.
Charles est admis en électromécanique de systèmes automatisés en formation professionnelle. Emery Poitras. Emery se dirige vers le marché du travail en tant que DJ et producteur de spectacles. Nathan Poulain-Grenier. Nathan poursuit en formation générale des adultes dans le but de compléter son DEC en technique de comptabilité et de gestion. Alexandre Proux. Alexandre est admis en technique policière. Simon Proux. Simon complétera son DEP en charpenterie-menuiserie. Frédéric Kennel. Frédéric poursuit en sciences humaines, profil général. Ahmed Ragad. Ahmed poursuit ses études en sciences de la nature. Malika Rowe. Malika nous quitte pour le cégep de Trois-Rivières afin de compléter ses études en technique d'hygiène dentaire. Michael Rivard. Michael est accepté au DEP mécanique d'engin de chantier au Centre de formation professionnelle du Lac Abitibi à La Sarre. Maïli Roy. Maïli est admise en sciences de la nature afin de poursuivre ses études en médecine. Nous invitons Maïli à rester sur scène et nous accueillons Mme Kathleen Slobodian, directrice du service des affaires étudiantes et des communications, pour remettre une bourse au nom du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette bourse est remise à Maïli puisqu'elle a su concilier ses études et ses implications sportives et sociales.
Félicia Sass. Félicia est inscrite en sciences de la nature en vue de poursuivre ses études en médecine. Jérémy Savard. Jérémy est accepté en sciences humaines, profil général, dans le but de se diriger ensuite en enseignement. Charles-Étienne Simard. Charles-Étienne est inscrit en sciences humaines, profil général, avec l'objectif de poursuivre en enseignement. William Saint-Hilaire. William poursuit ses études en technique de l'informatique. Loïc Tellier. Loïc continue son cheminement en tremplin deck dans le but de poursuivre en technologie de maintenance industrielle. Olivier Tremblay. Olivier est admis en technique de l'informatique. Mathis Vachon. Mathis est accepté en sciences humaines, profil général, pour ensuite se diriger en psychologie. Théo Veillette. Théo est inscrit en conduite de machinerie lourde en voirie forestière au Centre de formation professionnelle Aricana à Amos. Théo Villeneuve. Nous invitons Théo à revenir et nous invitons Mme Cindy Roy à remettre une bourse de la valeur des frais
d'inscription à son programme d'études postsecondaires au nom du Centre polymétier de Rouyn-Noranda. Franck Sinclair Wamke Chania. Franck poursuit ses études en immersion anglaise afin de faire une 12e année au Mayfield Secondary School en Ontario. Nous demandons à Frank de rester sur scène et invitons M. Yves Bédard, directeur général du Centre de services de Rouyn-Noranda, ainsi que Mme Chantal Paradis, enseignante en mathématiques et co-responsable du concours Optimat à l'école, à remettre une bourse d'une valeur de 1 500 $ en frais d'admission au nom de l'UQAT pour avoir obtenu le meilleur résultat régional pour le concours Optimat 2022. Yann Barolin. Yann est accepté en sciences de la nature. Jacob William. Jacob poursuit son cheminement au tremplin deck afin d'intégrer la technique policière. Ouais, il était temps. Hein? Ah, je vais faire un tremplin deck là. En attendant, je vais regarder si c'est dur. Donc, félicitations à toutes et à tous. Donc, merci aux dignitaires qui ont remis des bourses au comité organisateur de cette remise de diplôme. C'est maintenant le moment de prendre la photo de groupe. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers Falco. Et puis, les parents, les finissants, finissantes. Et puis, les finissants, vous allez apporter le mortier avec vous puisque vous allez aller prendre votre photo du lancer du chapeau, mais à l'extérieur. Ah. Et attendez un petit peu, les consignes ne sont pas terminées. C'est toujours long. OK, les finissants vont sortir, ensuite les parents vont suivre et vous allez pouvoir regarder vos enfants lancer, faire le lancer du mortier avec plein d'élégance de l'intérieur de la salle Falco. En fait, les photographes aimeraient bien vous voir en silhouette dans les fenêtres et mettre l'attention sur vos beaux jeunes. C'est de l'art, ça. C'est là, donc allons-y, les jeunesses. Bravo à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention. Félicitations. C'est le temps là, d'être beau. Là. Souriez, soyez heureux.
Thank you.